Le projet Un chercheur au collège, c'est un projet que nous avons co-construit avec l'Université de Corse, justement pour créer du lien entre le monde de la recherche qui se fait à l'université et les élèves au sein des écoles et des collèges. C'est la première édition pour les collèges, nous l'avions déjà fait pour les écoles et du fait de ce succès, donc nous l'avons développé au second degré. Et là, il y a deux écoles, deux collèges qui participent cette année, le collège Giovogne avec le chercheur Marc Giberno et le collège Laetitia avec Yann Kilikine. Le but est aussi, pourquoi pas, de susciter des vocations chez ces jeunes collégiens. Alors tout à fait, on voit que ça marche. Hein. Des élèves justement découvrent le microscope, découvrent tout l'intérêt de s'intéresser à la nature, à la pollinisation. Ça les sensibilise dans leur quotidien et ce sont des choses qu'ils retrouvent pour leur petit déjeuner. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent toujours manger de la confiture, des céréales, du chocolat? C'est grâce à la pollinisation. Donc il y a vraiment un impact concret pour eux. L'objectif, il est triple. Donc, dans un premier temps, ils ont rencontré un chercheur, M. Yann Kilikine, qui est chercheur donc, à l'Université de Corte, qui est venu en classe pour leur expliquer en quoi consistait son métier. Par la suite, ils sont venus ici, au CPIE d'Ajaccio, au parc des Mille-Îles, où, en collaboration avec des animateurs, ils ont effectué une collecte d'échantillons végétaux et animaux qu'ils ont observé à la loupe binoculaire, qui a un grossissement très très faible, 20 fois, 40 fois. Et la semaine prochaine, donc le 15 novembre, ils seront au laboratoire de l'Université de Corse de M. Kilikine, où ils vont observer ces mêmes échantillons qu'ils auront présélectionnés ici, mais au microscope électronique à balayage, qui a un grossissement nettement, nettement plus puissant. Et donc ça leur permet de voir finalement un même échantillon à l'échelle macroscopique, à l'échelle de la loupe binoculaire et à une échelle vraiment très très importante de grossissement et de voir que la réalité peut être interprétée de manière totalement différente. Quels sont les retours que vous avez de vos élèves sur cette opération ? Alors pour l'instant, ils ont l'air passionnés par ce qu'ils font, enfin je crois, ils ont l'air intéressés, c'est trop beau, voilà. On espère que ça continue comme ça. Il faut savoir que après l'intervention à Corte, on a d'autres objectifs, c'est-à-dire qu'avec Madame Marquion, leur professeur d'art plastique, ils vont traiter les images de photographie au microscope électronique. Et comme ça, il y aura à la fois un aspect scientifique, mais aussi un aspect artistique du projet. Ils ont un protocole de cueillette, que ce soit pour les insectes et les fleurs, et ils doivent respecter ce protocole pour cueillir. Donc se poser la question, est-ce que la plante est répandue, est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? S'il n'y en a qu'une seule, est-ce que j'ai le droit d'aller la cueillir? Les insectes, c'est pareil, est-ce que je vais ramasser quelque chose qui va être utilisable par le microscope? Ils ont eu des données au départ, sachant qu'il ne faut pas que ce soit trop épais, trop grand. Donc voilà, ils ont tout un tas de données à respecter, et après c'est à eux de partir à l'aventure et de cueillir. Derrière cette opération, il y a aussi un objectif de développement durable, de leur faire prendre conscience des trésors de la nature, quelque part. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que le protocole de cueillette fait prendre conscience qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les plantes et avec les insectes, qu'on ne peut pas cueillir comme on a envie de cueillir, c'est-à-dire qu'on doit d'abord respecter le milieu pour aller cueillir la plante. Et quand on cueille la plante, il faut respecter un quota. Donc nous, on ne cueille que 20%. Quand on fait des cueillettes sous le label Corsica Grane, on ne cueille que 20% de la ressource et pas toujours au même endroit. Donc déjà, rien qu'avec ça, ils sont obligés de se projeter. Pourquoi on fait ça? Pour qu'il y en ait l'année d'après et qu'on ne ruine pas d'un seul coup une zone en cueillant tout ce qui y pousse. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'activité d'aujourd'hui? C'était assez bien quand même. C'était trop bien. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a récolté des échantillons, par exemple, d'insectes ou de plantes. Et à ce moment-là, on est en train de regarder au microscope. C'est super intéressant. Et tout à l'heure, avant d'aller regarder au microscope, on a étudié les noms des plantes et des insectes. Ça vous donne envie de devenir scientifique plus tard ? Alors, moi, j'avais déjà l'idée, mais franchement, là, ça me fait encore plus devenir, ouais. C'est intéressant, franchement. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai même demandé des kits de science, un microscope en Noël. Oui, j'adore ça.